Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des formations les plus demandées. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais Parcoursup, il y a à peu près 600 000 ou 700 000 vœux qui sont faits chaque année. Chacun fait une dizaine de vœux, donc ça fait forcément énormément de vœux. Mais en tout cas, on va voir quelles sont les formations les plus demandées sur Parcoursup. On va faire le top 5 des licences les plus demandées, top 5 des BTS les plus demandées, top 5 des DUT les plus demandées, et enfin, top 5 des diplômes d'état sanitaire et social. Je ne savais même pas qu'il y avait un top 5 pour ça. Mais en tout cas, comme ça, ça va vous permettre de vous positionner sur est-ce qu'on demande plus infirmier, orthophoniste, éducateur de jeunes enfants, vous voyez, tout cet aspect-là. Mais on va le faire également pour toutes les autres filières qu'on a vues. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on verra quelles sont les 3 formations les plus demandées, tout domaine confondu, avec le nombre de vœux exacts qui ont été formulés. Alors, n'hésite pas à faire tes pronos en commentaire avant que la vidéo commence et on va attaquer sans plus attendre avec le top 5 des licences. En cinquième position pour les licences, alors c'est quoi votre prono? C'est quoi? Il se trouve que c'est STAPS, je pensais que ça serait plus haut, mais en cinquième position, on retrouve la licence STAPS. Et on retrouve à la quatrième place la licence de psychologie, donc qui est devant STAPS. Je sais pas vous, mais moi je pensais que personnellement, STAPS ce serait dans les 2-3 premières. Mais on retrouve donc à la cinquième position STAPS et à la quatrième psychologie. À la troisième position, on retrouve la licence d'économie et gestion, donc on atteint le podium des licences. Je n'ai pas la proportion de vœux, c'est-à-dire combien de vœux ont été formulés, mais en tout cas, elle arrive en troisième position. À la deuxième position, selon vous, est-ce qu'on a une passesse? Est-ce qu'on a une passe? Est-ce qu'on a une licence de droit, de langue, de matière scientifique? Vous avez fait vos pronos? C'est parti, on retrouve en deuxième position la licence de droit et en première position la passe. Donc ce qui nous fait pour un top 5 des licences, première la passe, deuxième la licence de droit, troisième la licence d'économie et gestion, quatrième la licence de psychologie et enfin cinquième position, licence TAPS. On va maintenant passer au BTS, donc si jamais vous n'avez pas trop réussi pour les licences, c'est pas grave, faites vos pronos maintenant pour les BTS. Peut-être vous y connaissez un petit peu mieux, peut-être vous avez une idée, peut-être BCTS audiovisuel, un autre. En tout cas, on attaque sans plus attendre avec la cinquième place, un BTS gestion de la PME. Voilà, personnellement c'était un BTS que je ne connaissais même pas, mais sachez que dans le domaine des BTS, il est en cinquième position des BTS les plus demandés. Pour les 4 prochaines places, c'est-à-dire top 1, top 2, top 3 et top 4, on reste dans un domaine qui est quand même assez commercial, négociation et gestion. Donc on passe pour la quatrième position avec comptabilité et gestion. Donc c'est un BTS comptabilité et gestion. Donc en troisième position, on retrouve le BTS commerce international, donc qui fait partie des BTS les plus demandés. Juste devant pour le top 1 et le top 2, peut-être vous avez des pronos, si vous y connaissez dans le domaine des BTS, peut-être que vous avez une petite idée du BTS qui se cache derrière la première position. En tout cas, pour la deuxième position, on retrouve le BTS négociation et digitalisation de la relation client. Et en première position, management commercial opérationnel. Oublie pas que si cette vidéo te plaît et que le concept t'intéresse, tu peux lâcher ton meilleur like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Si tu viens de découvrir la chaîne, tu peux t'abonner et laisser un petit commentaire aussi par rapport à tes pronos. Est-ce que tu penses que t'as juste pour le moment? Est-ce que t'es à côté de la plaque? Est-ce que t'en as que t'aurais vu dans ces classements qui n'étaient pas? N'hésite pas, je répondrai à tes commentaires. On va désormais passer au top 5 des DUT, donc on va les faire dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la première à la dernière place, sachant que la dernière c'est la cinquième, donc c'est quand même quelque chose de très demandé. À la première position, on retrouve le DUT technique de commercialisation. Donc c'est vrai qu'entre le DUT et le BTS, on retrouve beaucoup de commerce, gestion et management. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats dans ce domaine, je vous l'avoue. En deuxième position, on a gestion des entreprises et des administrations. En troisième position des DUT, nous avons le DUT informatique. Je crois que c'est l'une des premières formations qu'on retrouve un peu dans le côté technique, scientifique. Je dis pas que les autres le sont pas, mais vous voyez, je m'attendais peut-être à avoir peut-être des licences de maths ou des licences de physique ou des DUT. Ah bah justement, ça vient juste après, DUT génie mécanique et productique pour la quatrième position et en cinquième position, génie électrique et informatique industrielle. Donc c'est vrai qu'on peut remarquer que les premiers DUT qui sont demandés sont au niveau administratif, entreprise et commercialisation. Et juste après, on a des DUT un peu plus scientifiques, techniques sur le côté informatique, mécanique, électrique et informatique, comme je l'ai déjà dit. On va passer maintenant au top 5 des diplômes d'état sanitaire et social. Alors, lancez vos pronos, imaginez ce que ça peut être. En première position, qu'est-ce qu'on va retrouver selon toi?
Apparemment, ce serait diplôme d'infirmier. Oui, le diplôme d'état sanitaire et social le plus demandé, c'est le diplôme d'infirmier. En deuxième position, on retrouve le diplôme d'orthophoniste qui est le plus demandé. En troisième position, une petite idée maintenant qu'on a fait infirmier orthophoniste, tente d'y penser, voilà, c'est bon, t'as une idée. En fait, c'est éducateur spécialisé. Donc, est-ce que tu l'avais, est-ce que tu l'avais pas? N'hésite pas à me le dire. En quatrième position, imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Et enfin, en cinquième position, on retrouve éducateur de jeunes enfants. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va faire un petit récap. Sachez que les lycéens ont fait en moyenne 10,1 vœux. Donc, je sais qu'on est maximisé à 10 vœux, mais c'est dans l'idée que je pense qu'il y en a, ils ont fait des vœux multiples. Donc, on arrive à une moyenne de 10,1 vœux par lycéen. 6 vœux sur 10 étaient des formations sélectives. Et enfin, 7 candidats sur 10 ont sélectionné au moins un vœu en licence. Maintenant, on attaque le plus grand moment, celui que vous attendiez tous. Combien de vœux ont été formulés pour le top 3? Donc, on retrouve en troisième position. Alors, je vous laisse imaginer, c'est sûrement dans les domaines qu'on a déjà abordés. Mais dans quelle proportion? Est-ce que ça va être le top 1 des licences, le top 1 des BTS, le top 1 des DUT ou ceux dans le domaine médical? Je vous laisse y réfléchir 2 secondes et on attaque sans plus tarder pour voir quel est le classement. En troisième position, on retrouve donc la licence de droit avec 242 275 vœux. Ça fait beaucoup quand on sait le nombre de vœux totaux qui sont faits par les étudiants. Donc 242 275 vœux en licence de droit. Alors je sais pas si par exemple quelqu'un met 10 licences de droit, ça compte 10 fois, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça parce que c'est le nombre de vœux au total qui ont été formulés. Mesdames et messieurs, après une attente insoutenable, nous allons retrouver à la première position, avec un total de 612 007 vœux formulés, le diplôme d'état d'infirmier. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont été surpris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi le premier, je pensais que la PACES ou la PASS allait être en première position, mais non, c'est le diplôme d'état d'infirmier avec 612 007 vœux qui arrive en première position. Et en deuxième position, le parcours d'accès spécifique santé, donc la PASS avec 396 068 vœux. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire si vous en voulez davantage de cette manière. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde! Thank you.